Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je viens de finir, il est 12h36, pas étonnant que mon estomac fait des bruits trop chelous. Trop chelou. Je viens de tourner la vidéo que vous aurez lundi, donc demain pour vous. C'est le crash test d'une des deux parties du swap. Voilà, je ne vous dis pas laquelle, je vous laisse le suspense jusque demain. Et je vous dis rien, je vous dis rien, je vous dis rien. Donc j'avais plein de choses à vous dire, mais je ne sais plus du tout quoi. Là, il faut encore que je tourne le concours pour la vidéo que vous avez eue vendredi. Donc le concours est toujours en cours, je vous le mets donc en barre d'infos. Je suis un peu perdue. J'ai trop traîné. Ce matin, j'ai attendu le facteur jusqu'à 11h30, alors qu'il n'est pas passé. Voilà. Tout ça pour rien. Donc, j'ai pris du retard dans mon tournage de vidéo. Et comme d'hab, je suis en train de faire du rangement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le week-end, j'ai pas trop à vous raconter puisque je vous ai filmé le vendredi et le samedi. Hein, c'était la partie 2 du weekly vlog de la semaine dernière. Donc, je vous remets les deux parties en barre d'infos aussi. Sauf que j'avais oublié de vous dire dans la vidéo du week-end, j'ai offert le jeu Mad Time et Portia sur Switch à Manon pour son anniversaire qui est en septembre. Hein. Mais voilà, parce que j'avais très envie qu'elle joue. Elle avait très envie de jouer aussi. Et j'ai commandé donc sur Amazon et il était sous blister. Voilà. Et quand j'ai reçu la truc, je dis, oh, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une cartouche de Switch. Je n'ai jamais vu, j'en ai pas. Puis mon chéri me dit, bah vas-y, déballe. Bah, je dis non, je vais le laisser sous blister pour quand elle le déballe et tout. Et donc, quand on s'est vu samedi chez Amy, je lui dis, ouvre-le, que je vois à quoi ça ressemble. Et la plaque, elle ouvre, sous blister, hein. Et que la cartouche n'était pas dedans. Voilà. Donc là, j'ai tout préparé pour le renvoyer. Et j'espère bien que ça va aller. Hein. Je l'aurais réexpliqué dans le mail et je leur ai fait un petit mot aussi pour leur dire que voilà, elle l'a ouvert. De toute façon, elle l'a ouvert devant nous tous. Donc il y a quand même des témoins et que la cartouche n'était pas dedans. Emballée sous blister, mais sans cartouche. Alors là, j'ai pas compris. Quoi. Il y a comment que ça arrive, ce genre de truc. Vraiment comment. Je vous jure, j'en peux plus. Donc voilà pour ça. Sinon, hier, j'ai fait quoi hier? Ah oui, mon chéri a été travailler chez sa sœur, faire la fibre de verre chez sa sœur et compagnie, donc on ne s'est pas beaucoup vu. Parce qu'il est rentré tard. Il est parti quand j'étais à sieste et il est rentré tard. Il ne s'est rien passé de spécial. Hier, on a regardé les vidéos swap chacune de l'autre ensemble à l'avance, hein, voilà, parce qu'on a envie de voir nos réactions. Donc ça fait qu'on a passé vraiment tout le week-end ensemble. On a passé un trop bon week-end de toute façon. Voilà, voilà. Je crois que j'avais rien trop d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, mais si je dois avoir une autre chose à vous dire, mais je crois que je vous les dirai un autre jour. Parce que je pense qu'on va déjà switcher de jour. J'ai commencé beaucoup trop tard à vlogger et je dois encore filmer le concours. Pff, je ne m'en sortirai pas aujourd'hui. Il faut que je mange, et que j'aille ma sieste. Tout ça. Vous voyez, elle est compliquée la vie de Queen, hein, très compliquée. Enfin, en parlant de Queen, vous me faites totalement délirer avec cette histoire. Alors, du coup, je me suis commandé un accessoire cheveux Queen, quoi. Enfin, une petite barrette. Vous savez que j'adore les barrettes quand je fais une demi-queue, hein, surtout en strass. Et du coup, je m'en suis commandé une en couronne sur AliExpress. Donc, le temps que ça arrive, voilà. Faut que je vous donne aussi le programme. Des vidéos de la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve à partir de demain pour vous, pendant 15 jours, avec une vidéo par jour. Donc j'espère que vous serez contents. La nouvelle intro, vous avez choisi majoritairement la kiwi. Et je suis bien contente, parce que je l'avais déjà mis sur une des vidéos qui doit sortir après, celle du swap, puisqu'on avait déjà fait les montages et tout. Donc j'avais déjà mis celle-là, puisque oui, c'est celle que je préférais. Voilà, une fois que j'ai ajouté la couronne. Avant qu'il n'y ait pas la couronne, c'était la verte. Mais du coup, je pense que je vais garder la verte pour l'automne. Voilà, si j'en fais pas une autre d'ici là pour l'automne. Mais je trouve qu'elle fait très été quand même, la kiwi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Vous allez beaucoup la voir de toute façon. Donc ceux qui ont voté pour les autres, ben, vous apprendrez à aimer celle-là, hein, en attendant. Voilà, voilà. Donc quand je vois, j'ai encore plein de trucs à ranger ici. Il faut que je tourne le concours. J'ai une flemme. J'ai une flemme. Je pense que je vais d'abord aller manger et digérer. Et comme ça, après, j'attaque le concours. Comme ça, limite, je peux commencer à monter cette vidéo-là.
Vous avez vu, je fais un effort, je suis toute belle pour l'ouverture du vlog. C'est certainement la seule fois où vous allez me voir belle dans le vlog, hein, comme d'hab. Voilà. Quoique demain, j'ai encore une autre vidéo à tourner. De toute façon, avec une vidéo par jour, pendant 15 jours, je vais avoir du travail de tournage. Donc, je vais être maquillée très souvent. Mais d'habitude, je vous prends avant de faire mes vidéos, donc en pyjama, quoi. Voilà. Là, c'est pas le cas. Je fais un effort pour l'ouverture. Je vous garantis pas qu'à la fermeture, je serai pas en pyjama, hein. Ou tout le long du vlog d'ailleurs. Mais vous avez l'habitude. Voilà, écoutez, le reste, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais réorganiser un peu mes pensées et on en parlera demain. Avant de faire mes vidéos. Donc là, vous me verrez déjà en pyjama. Voilà. Et bah écoutez, on suit deux jours tout de suite. Comme ça, on va essayer de faire des vlogs un peu moins longs. Parce que là, on va le faire en deux parties quand même. La semaine dernière, c'est quand même fort, quoi. Mais bon, on verra ce que ça donne à la fin. À chaque fois que je dis ça, il fait une heure le bazar. Donc, je n'ai plus rien. Allez, on switch. Alors, il est 9h24 et comme d'habitude, vous voyez absolument tout bordel. Le canapé n'est toujours pas en ordre, hein. C'est un truc de fou chez moi. Voilà, donc je viens de me faire mon deuxième café. Là, j'ai mis mon top, j'ai dans le sac maintenant. Donc j'ai mis le chine en dessous. Voilà, faudra juste que je coupe l'étiquette parce que bon, on la voit en dessous. Au moins la grande, la petite Star Wars, elle peut rester, mais la grande, vous voyez, on voit quand même beaucoup. Donc je couperai les... C'est trop beau. Et tu vois, Manon, boire en M, il aurait peut-être été mieux, mais... Après, je peux faire un nœud aussi. Bon, attends. Si je fais un nœud... Tu vois ? Enfin, bref. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. De toute façon, en bas, je suis en pyjama, hein, comme d'hab. Donc, je bois mon café. Je vais aller tourner le crash test... du swap de la partie de Manon. Il faut que je fasse mes sourcils et que je me coiffe. Donc, je vais faire ça avec vous. J'ai pas grand-chose à vous raconter. C'est rien passé d'extraordinaire hier. Je voulais vous donner un petit... je regarde où est mon chien. Un petit feedback sur les produits que j'ai testés. J'ai testé du swap de Demi hier, mais... Vous les avez pas encore vus en fait. Pour vous, c'est demain. Donc, je vous dirai ça dans le prochain vlog. Voilà. Ah oui, hier, je vous ai pas raconté. Je me suis fait réveiller par mon chien d'une manière très agréable. J'ai un poil dans mon savon. Il m'a gueulé dans l'oreille. Il dormait à côté de moi. Et il m'a gueulé dans l'oreille. Mais alors, quand je vous dis dans l'oreille, c'est dans l'oreille. Hein. Ça sifflait. Après, j'ai fait un bond. 15 km au moins. Au moins. Donc, voilà. Sinon, bah, j'ai rien à vous dire, en fait. Je sais pas pourquoi je vous prends. Ouais, parce que j'avais envie de vous prendre, d'accord. Mais si c'est juste pour se regarder dans le blanc des yeux, c'est pas très, très intéressant. Hein. Donc, j'utilise toujours mon petit goupillon... miroir grossissant, ça fait peur. De chez Révolution, là, j'aime bien. Il coiffe bien les poils. Écoutez. Il est pratique pour aplatir, plaquer les sourcils de ce côté-là. Alors, attendez, je me bats avec mes épis, hein, comme d'hab. Commence à avoir l'habitude. Deux épis par sourcil. Ça fait une demi-heure de coiffage de sourcil. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas. J'ai regardé pour un miroir comme je voudrais. J'en ai trouvé un sur Maki Beauty pour 17 balles, je crois. 16,90, un truc comme ça. Donc je pense que je vais me commander celui-là. Quand, je ne sais pas. Bah, de toute façon, il faut que j'attende le budget du mois prochain. La Nox m'a renvoyé un mail hier pour me dire qu'il m'avait envoyé... les nouveaux parfums, donc là on va attendre la réception. Je sais que ça va assez vite, mais je saurais plus dire combien de temps ça a mis la dernière fois. Donc là, il faudra que je les déballe en vlog avec les garçons, puisque c'est principalement deux parfums d'hommes, vu que c'est la fête des pères, hein, je vous rappelle. Donc vous avez moins 20% sur les parfums hommes, mais vous avez que quelques jours, hein, donc c'est jusqu'au 15 juin, je crois, du 11 au 15 juin, je sais plus de mémoire. Là, mon chien.
vient me sentir, l'air de dire, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai toujours pas demandé si mon code promo était cumulable ou pas. Hein. Oh, j'ai de nouveau des pubs qui s'affichent sur mon Mac, ça m'énerve. J'en avais plus grâce à AdBlock. Vous voyez comme il les brosse bien, les sourcils. J'en avais plus grâce à AdBlock et là, je sais pas pourquoi ça recommence. Ça me saoule. Bref, de toute façon, je suis presque plus sur le Mac. Hein. Je suis tout le temps sur l'autre maintenant, vous doutez bien. Il y a une grosse mouche à caca. Après, il y en a toujours plein ici. Hein. Quand on habite à côté des bois, c'est la même merde. Par contre, l'éthique, wow. Ça me fait penser que le chat en a une, il faut que je l'enlève. L'éthique, ça devient affreux. Hein. Même les gosses, ils se sont fait piquer une fois chacun, tous les deux. Georges, il s'est chopé une grosse dose comme ça. Donc, j'ai vite été voir sur Internet pour la maladie de Lyme. Et ils disent juste de surveiller que ça ne gonfle pas plus. C'est juste la réaction à la piqûre, en fait. Qu'il n'y a pas de fièvre, de nausée, de maux de tête. Et que ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, surveiller les symptômes pendant 3 mois. Là, je crois que c'est mon chat qui descend en toute discrétion. Tout à fait. Comme un gros patapouf. Bon, les sourcils, je sais pas. Ah bah attends, j'ai un coton-tige dans la main, je vais nettoyer ma boîte. Parce qu'à force de racler sur les côtés, j'ai plein de savon. Ok pour les sourcils. Donc j'ai plus qu'à me coiffer. Je crois que je vais juste les laisser lâcher. Faut que je les lave ce soir, je crois quand même. Hein. Avec un petit serre-tête, hein, comme d'hab. Donc je mets ma brume, la kératine élixir. Je la mets tous les jours avant de me coiffer. Vous voyez qu'elle descend bien de chez Biphase. J'aime bien. Je ne rachèterai pas forcément. De toute façon, en même temps, elle a 15 ans. 15 ans. Bon, vous connaissez mon sens d'exagération maintenant. Mais je ne la rachèterai pas forcément. Je préfère l'huile... de chez Creutzwaldt et le spray curl de chez Action. Voilà, un petit peu d'huile. J'ai les pointes tout en mêlées. À chaque fois que je me les lisse, après ils s'en mêlent. Donc si vous voyez un gros truc noir passé, c'est ma mouche à caca. Hein. Elle n'est pas bien dressée encore. J'ai toujours les pointes qui s'en mêlent à la fin, enfin, après quelques jours de lissage. Donc là, il est temps que je les lave. Voilà, mon chien est rentré, mais il va attendre à manger. Ouais, 9h30, c'est l'heure. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je dis, je vais filmer avant que le facteur vienne. Mais là, le chien va attendre sa poulette. Donc, je dois attendre jusqu'à 10h. Enfin, je vais lui mettre décongelé, je vais attendre que ce soit décongelé. Et après, c'est l'heure du facteur. Et là, j'avais dit, je ferai une vidéo avant le facteur et une après le facteur. Parce que je vais vous tourner aussi la rotation make-up. Puisque avec le swap, forcément, il y a des produits que j'ai envie de mettre dedans. Du coup, ça chamboule tout, puisque j'avais déjà réfléchi aux produits que j'allais mettre dedans. Notamment le bronzer Ico pour l'été, puisqu'il sent le monoeil. Mais là, j'ai eu 2 bronzers en plus, donc voilà, quoi. Oh, c'est pub, là. Mais je vais fermer carrément un safari. Donc, je vais réfléchir à quoi mettre. Mais je vais vous tourner ça après. Donc je mets ce serre-tête là. Voilà. Plus qu'à attendre quelques minutes que mes cheveux absorbent le spray là. Mais j'ai toujours les pointes emmêlées. Il faudra que je leur fasse un bon masque ce soir. À la banane de chez Action. J'adore ce masque. Bon après c'est des petits formats. Hein. Chez Action c'est pas cher mais c'est des petits formats. Bon pas les zizizites là. Ceux-là, c'est des formats classiques. Mais les petits bananes grenades, ils ont sorti un mangue, là aussi, apparemment. J'ai entendu parler. Je crois que c'est les filles qui en parlaient samedi. C'est des petits contenants. Hein. Vous entendez, copine mouche à caca? Bref,
Mais il est beau, hein, certes. Il n'est pas encore mis en plus. Mais je trouve qu'il va bien avec le style bébé Yoda. Voilà. Bref. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je bablote alors que j'avais rien à vous dire, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Donc là, je vais mettre décongeler la truc du chien. Je ne dis pas le mot à voix haute parce que comme il couchait juste derrière moi, il va se lever d'un bond. Et de toute façon, si je me lève, il se lève d'un bond. Hein. Et j'essaierai d'aller faire quand même mon crash test avant que le facteur arrive. Donc je crois que je ne vais pas lui laisser décongeler très longtemps, comme ça il mange et il me fout la paix. Voilà. Donc je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui. Je sais pas. J'ai pas trop envie de vous spoiler le make-up que je vais faire. Donc on verra bien. À moins qu'il y ait quelque chose vraiment d'intéressant dans la boîte aux lettres. Mais au pire, je peux vous montrer demain. Voilà. Et ça fait 2 jours que je vlog et 2 jours que vous me voyez pas en pyjama. C'est bien. Il y a du progrès, cocotte. Allez, soit à plus tard, soit à demain. Alors, je vais dézoomer juste un tout petit peu. Il est 9h46. Et je vais me maquiller avec vous. Voilà, on va faire un petit Get Ready With Me dans ce vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je crois que oui, j'ai très rarement fait. Sauf que je vous fais bouger, hein, vous avez l'habitude. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y a des produits que moi j'ai crash testé dans le swap, mais les vidéos sont pour vous que demain et après-demain, donc lundi et mardi. Et j'ai pas envie de trop vous spoiler. Voilà. Donc les croûtes que vous entendez, c'est le chat qui est en train de manger son bout de poulet. Et dans 5 minutes, vous allez entendre râler parce que le chien sera venu lui voler. Voilà. Donc je me suis dit, je vais me préparer avec vous. Comme ça, je vous raconte ma journée de merde d'hier. Et aujourd'hui, déjà, je vais essayer de ne pas faire de sieste. Ça m'a repris l'école. Donc, il a repris ce matin pour une semaine et demie, hein, parce qu'il finit... Donc, il a cours le reste de la semaine, là. Et la semaine prochaine. Et puis après, il a fini l'école. Donc, ça va plus la peine de reprendre. Donc, je suis levée depuis... 6h40, hein, mon téléphone sonne à 6h40. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, donc hier, ça a été une journée vraiment de merdasse. Mais alors, totale merdasse. Déjà, j'étais décalée dans mon planning vidéo et tout ça. Alors, je suis horreuse de ça. Alors, vraiment, vraiment, vraiment horreur de ça. Donc, j'ai utilisé un fond de teint poudre. Alors, je vais d'abord mettre mon anti-cerne. voilà, la psychopathe du planning n'aime pas être chamboulée. Alors hier, j'avais envoyé un message à chérie pour voir pour s'il m'emmenait chez Action quand il rentrait du travail. Parce que j'aurais envie d'aller faire un petit tour chez Action. Il me faut pas grand chose, hein, mais bon. Comme à chaque fois qu'on va chez Action, on sort avec un panier plein, quoi. Donc en plus, il me dit oui, merde, je voulais pas faire ça. Bon, tant pis, on va laisser juste comme ça. Il me dit donc oui pour y aller. Mais voilà que juste quand il m'appelle pour me dire je suis sur le chemin, prépare-toi, on va y aller, mon frère est arrivé, donc le plus jeune des deux, celui que je vois beaucoup moins. Donc je ne pouvais pas lui dire, bah écoute, bon, je me casse quoi. Donc du coup, on y va tout à l'heure. C'est pour ça que je me maquille un peu. Enfin un peu. Hein, vous connaissez, mais un peu. Et comme je vais essayer de ne pas faire de sieste, c'est pas trop dérangeant que je me maquille assez tôt. Voilà, j'avais envie de me maquiller. Hier, j'adorais mon make-up d'hier pour aller chez Action. C'était celui que j'ai fait dans le crash test de marque que vous aurez mardi. Avec mes petites nettoiles et tout. Bah, je pense que je vais faire encore à peu près la même chose aujourd'hui. Donc du coup, mon frère se pointe. Le plus jeune avec les deux petits, donc avec les deux petits, ben c'était bruyant et nous on n'a plus l'habitude du bruit chez nous, hein. Voilà. Enfin, si d'entendre les gosses gueuler sur leur PlayStation. Entre temps, j'ai le début d'après Menzo qui me demande si je peux l'emmener à 8h au soir, à 7h au soir. D'abord, c'était 8h, puis après, c'est passé à 7h. Il a racheté une PlayStation, il fallait aller la chercher à la gare à Hattu, donc, pas très loin de chez nous. Hein. Je lui dis oui, mais tu me fais chier quoi. Voilà, fais chier. Donc mon frère part.
Et comment? Il était déjà, je sais plus quelle heure. Oh, il était quand même assez tard, hein, mais je ne sais plus quelle heure exactement. Donc bref, mon frère y part, on attend l'heure pour aller chercher la PlayStation d'Enzo, mais entre-temps, c'est Chéri qui fait à manger. Donc Chéri, quand il fait à manger, il boit son petit Ricard. Donc du coup, je fais le bruit, hein. J'emmène Enzo chercher sa foutue PlayStation. Sauf que le mec avait du retard. Ravi, j'étais ravi. Donc, me voilà en train de poireauter 45 minutes dans la voiture pour attendre que le gars arrive avec le deuxième train. Et entre-temps, chérie m'envoie un message. Non, mais il me téléphone pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que ça faisait déjà plus de 30 minutes que j'étais partie pour un truc qui devait durer 5 minutes, quoi. Et j'entends sa voix que, ben, à force de nous attendre pour manger, il avait bien insisté que le Ricard. Donc j'étais déjà énervée de devoir poireauter. J'ai horreur d'attendre. Ma patience d'ange, c'est incroyable. Donc j'étais déjà énervée de poireauter. J'entends sa voix que, voilà, il n'a pas bu qu'un Ricard, quoi. Il nous attendait pour manger, ben, il n'a pas attendu tout seul, hein. On rentre, on mange, mais alors il était dans un état. Ouais, il était guette, hein. Ça va, il n'était pas non plus cutchi, quoi, mais il était guette. Et comment? Du coup, il avait fait à manger. Donc on mange. Et puis tout d'un coup, il me dit, putain, je me sens pas bien. Bah ouais, forcément, vu ce que t'as picolé. Donc il s'est endormi comme une grosse merdasse dans le canapé juste après manger. Mais voilà-t-il pas qu'après il a été malade. Donc il a vomi partout. Et devinez qui c'est qui a dû ramasser, hein, sa gerbe d'ivrogne, là. Oh, mais j'étais en rage. Mais en rage. Vous imaginez même pas. Donc la journée a été pourrie jusqu'au bout, quoi. Je vais utiliser le fond de teint qui coule comme ça. Donc je change de pète. Voilà, c'était vraiment ma journée pourrie hier. J'étais énervée en fin de journée, je vous raconte même pas. Et quand je vous dis énervée, c'était énervée, j'en pouvais plus. Plus Georges qui n'arrivait pas à dormir, bah forcément, il était totalement décalé lui, avec ses 25 jours d'arrêt pour le confinement, enfin pour la quarantaine. Je dis putain, t'arriveras pas à te lever demain, t'as pas intérêt à m'énerver demain matin parce que je suis assez énervée comme ça ce soir. Hein. Ouais, ça va, il a réussi à se lever en même temps. Je lui ai dit, t'as plutôt intérêt, hein, parce que voilà, 9 jours d'école, il reste 9 jours d'école, quoi. Donc, si tu loupes l'école, c'est quand même grave. Hein. Bon, je vais utiliser bronzer et blush Anastasia Beverly Hills. Hein, faut bien que j'utilise de temps en temps. Hein. Ah là là, je vous jure. Mais si on est quand même en pleine semaine, je me suis arrivé à jamais se lever demain pour le travail, quoi. Mais si, il a réussi à se lever. Un peu à la bourre, mais il s'est levé. Bon, après, il s'en fout, il fait les horaires qu'il veut. Donc, quand il rentre, on va chez Action. J'ai posté mes deux colis Vinted aussi. J'ai fait une vente Vinted hier. Ouais, hier. Et c'est passé sur UPS, alors que j'ai que le Mondial Relais d'activer en livraison. Donc j'espère. Il me semble que mon point relais fait mon UPS aussi. Mais ça m'inquiète un peu, quoi, parce que j'ai jamais eu ça avant. J'ai pas la fonction pour désactiver UPS ou quoi. Donc est-ce que c'est parce que justement mon point relais le fait que ça a pu se faire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je comprends plus grand-chose, moi, avec Vinted. Hein. Ils abusent. Hein. Oui, alors Lily Muse avait répondu à mon dernier vlog, là. Comment? En France, c'est 1500 qu'il ne faut pas dépasser. Et même que vous ne vendez pas des produits neufs, c'est noté dans les impôts. Donc en Belgique, je ne sais pas du tout comment ça se passe.
Oui, il me semblait que j'avais entendu parler de 3 000. Donc, est-ce que c'est pour la Belgique? Franchement, je sais plus. Moi, je suis plus, mais je trouve ça totalement dégueulasse. Je dis pas pour ceux qui font du business avec, je peux comprendre. C'est logique. Voilà, qui achètent pour revendre. Mais sur la seconde main, je trouve ça dégueulasse parce que c'est de la seconde main, quoi. Comme je disais, vous avez déjà payé vos taxes quand vous avez payé la TVA à l'achat du produit, vous le revendez. C'est dégueulasse de se retaxer par-dessus, quoi. J'espère recevoir mes dernières commandes AliExpress aussi avant que les taxes elles passent. Bah, après, ça sera pas très cher en taxes, on est d'accord, mais j'ai pas envie de les payer, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Oh là 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 là. Je fais un bordel. J'utilise la soft focus de la Turn Off the Light de chez Too Faced pour illuminer mes zones de lumière, surtout avec ce fond de teint parce qu'il est un tout petit peu trop foncé. Bon, vous ne voyez pas trop en caméra. En ce moment, j'ai un problème d'éclairage, moi, c'est un truc de fou. Bon, ici en bas, oui, c'est normal. Mais même en haut, quand je mets mon anneau lumineux en neutre, j'ai le teint qui vire parfois rose orangé. Quand je le mets en blanc, vous voyez pas, enfin en froid, vous voyez pas les bonnes teintes. Ça m'énerve. Bon, en ce moment, je suis beaucoup énervée. Hein. J'ai pas pris de mouchoir en papier. Oh, faut toujours que je. J'ai plus de place dans mon panier. J'ai filmé ma rotation. Donc vous l'aurez mercredi. Et du coup, j'ai plus de place dans mon petit panier. Bah, écoutez, je vais achever mon teint et je reviens pour les yeux. Comme ça, je vous explique juste les yeux. Là, j'ai fini. J'ai plus qu'à faire mes sourcils et mettre de l'highlighter. Nettoyer ma paupière, mes lèvres, mettre mon plumper et ma base. Et je reviens après ça. Ok, je me rapproche un peu pour les yeux. Les clombes de mon nez, là, ça fait comme si j'avais des grosses cernes. Ici, bref. Donc, j'ai utilisé l'highlighter, enfin, le fard de la Butterfly ici comme highlighter. Et je vais principalement utiliser la Fête Into ou la Udada dans les tons bleus. J'ai envie de bleu. J'ai envie d'un petit smoky. D'un petit smoky bleu. Et puis, avec des petites fioritures, sur vous allez voir. Je m'emballe totalement en ce moment. Donc je vais commencer par le bleu le plus clair ici au-dessus. Donc je vais prendre la Butterfly comme miroir hein, parce que je ne vois que dalle avec mon miroir ici en dessous. Donc je vais mettre ça dans le creux. Coin externe, bah, comme là quoi. J'ai mis moins de base que d'habitude parce que je l'ai appliqué avec autre chose. Vous verrez ça dans le crash test. Donc j'espère que ça va intensifier autant les fards. Vous voyez bien. Moi je vois pas bien ici. C'est l'énergie, la luminosité dégueulasse. Alors avec un pinceau plus souple, je prends du coup le. Le bleu qui ne sert à rien ici dans la Butterfly pour dégrader ça. Et comme je dis qu'il sert à rien, il sert à rien. Les mats, franchement, c'est caca. Hein. J'utilise que les lumineux en règle générale de cette palette. Alors, je vais passer au pinceau plat. Donc, je prends les Boosty Shop. Mon Dieu, ils sont géniaux les Boosty Shop là. Et je vais prendre, alors attendez, je vous montre le bleu à paillettes ici, Watermark. Là. Magnifique, ma chérie. Oh. Et je mets ça sur toute ma paupière mobile, donc c'est déjà un fard pailleté. Par contre, apportez bien vos pinceaux hein, parce qu'ils sont hyper pauvres les couleurs. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai mis bleu du creux là pour bien estomper ici.
La machine, elle fait des coups chelous. On laisse tomber partout. Je suis pas du tout centrée. Je pourrais zoomer encore un peu parce que je suis en train de me vautrer dans mon canapé. Alors, au doigt, je vais prendre le Wings. C'est le fard que j'utilise le plus dans cette palette. C'est un peu fou. Et je rajoute par-dessus. On n'a jamais assez de palettes dans la vie. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec un petit pinceau pour mon coin interne, je prends le blanc, le fruit ici. Très lumineux, génial pour le coin interne. C'est pas mal, hein. Voilà, je crois que pour les fards, on est bon. Je vais pas faire de verre luisant aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont poudrés, les couleurs pop, là. Incroyable, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai pas mis les paillettes. Voilà, j'en ai mis assez avec le Wings et le fard. Donc, crayon noir en muqueuse, dans les deux. Alors, je vais tester celui-là avant de rouvrir mon Sephora. C'est un que j'avais eu dans le swap, si je vous montre à l'endroit, ça sera mieux. Dans le swap vide placard avec Manon. Donc, par contre, non, je vous l'avais montré. C'est Linéa Automatic Eyeliner. Alors, c'est pas du tout waterproof et c'est pas fait normalement pour la muqueuse. Je vais le tester comme il y a DG qui vient vendredi. Comme ça, si jamais il n'est pas bien, je le viendrai pour Laura. S'il ne tient pas, quoi. Après, sur moi, un crayon qui tient, c'est incroyable. Par contre, ma fainéantise adore le fait qu'il soit automatique. Enfin, avoir revoir des J. Avec nos deux quarantaines à la suite, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. J'ai encore son cadeau d'anniversaire. J'espère qu'il lui plaira. On verra bien, ma foi. Là, j'attends aussi mes parfums Nox, là, les nouveaux, pour moi, les garçons. Alors, je vais faire un trait de liner noir. Donc ça, je vous reprends après, parce que je vais devoir me concentrer en concentration plus. Alors, je vais reprendre la poudre métallique de chez Meron que j'ai utilisé moi hier dans le crash test. Je vais juste la réhumidifier un petit peu avec le mixing liquide Meron. Bon, ça marche pas tant que ça. Enfin, il est trop liquide. J'aurais dû mettre qu'une petite. Le gratter d'abord et mettre une petite goutte seulement. Bon, là, ça va oublier un peu. Crotte. Bon, tant pis. Hein. Faire ça dans le canapé, c'était une très bonne idée. Des bonnes idées. Il y a le voisin qui fait des travaux en face. Ah, attention, pas le chat. Alors, je vais remettre sous la queue de mon liner. Alors, ici, je vais faire des petits chreleux. Ok, alors je vais passer à quelques petits points. Voilà, faut commencer à me connaître avec mes petits points. Voilà pour les petits points, et du coup, bah écoutez, j'ai le liner étoile, on va faire des petites étoiles aussi. Hein. Voilà, j'ai envie. Bon, je vais en faire qu'une, voilà. Tout ça pour l'éjection, hein. Ok. Alors, le crayon, ça donne quoi? Pour l'instant, il est encore là. Donc, tout ça, c'est pour la... Je range mon bordel. Hein. Faut que là, je mette un pinceau. Voilà, je vais mettre du mascara et je vais rien mettre sur les lèvres. De toute façon, il faut que je mette le masque. J'aurais bien mis le Sub-Zero, hein. Mais ça sert à rien. Et donc voilà, le make-up terminé. C'est beaucoup. Et donc je mets pas de rouge à lèvres, hein. Je laisse juste mon plumper comme ça. De toute façon, je vais devoir mettre le masque pour échouer action. Vous avez vu, ce fard, il fait un highlighter hyper lumineux. Hein. Il fait vraiment un effet wet sur la peau, j'aime beaucoup.
Voilà. Bon, je vais aller voir au courrier et si je vous reprends pas, c'est qu'il n'y avait rien d'intéressant. Si je vous reprends, c'est qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Sinon, je pense que je vous montrerai un petit bout chez Action. Et alors oui, Action, si jamais j'achète beaucoup, je filmerai un haul. Si j'achète que 2-3 choses, notamment que ce qu'il me faut, je vous le montrerai demain en vlog. Voilà. Bon, préparez-vous à avoir un haul, quoi. En gros, ça fait longtemps que j'ai pas été en plus. Bref, bon bah écoutez, on voit comment ça se déroule pour le reste de la journée. Bon, il est 9h29, oh, ça va. Donc je viens de tourner cette vidéo que vous aurez la semaine prochaine, mais que vous allez déjà voir ce soir dans le hall, parce qu'il faut que je vous tourne le hall Action. Vous voyez pas là, mais il y a mon gros sac. Oui, donc voilà, je vous ai pas pris chez Action, parce que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture pour avoir plus facile. Par contre, j'ai mis ce pull là, ben, j'ai chaud, je vais me changer pour tourner le hall. J'ai trop chaud. Donc voilà, la vidéo là, vous l'aurez jeudi prochain, je crois. Je ne sais plus. Bref, hein, de toute façon, vous l'aurez bientôt. Et voilà. Écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. J'ai toujours pas eu mes parfums Nox. Donc ça m'en kikine parce que je pourrais pas vous en parler dans ce vlog-ci. Alors que les promos Fêtes des Pères, c'est du 11 au 15. Donc voilà, je vous le redis ici. Je me vautre, hein. Bon, ouais. Je vous le redis encore une fois, voilà, les promos Fêtes des Pères chez Nox, c'est du 11 au 15 juin. Vous avez 20% sur tous les parfums hommes. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Et par contre, je ne sais pas si j'ai toujours pas demandé en fait si mon code est cumulable, mais je pense que oui. Donc à vous de tester, hein, c'est le code, je vous l'affiche ici. De toute façon, il est noté en barre d'infos. Voilà. Écoutez. J'ai rien de spécial vraiment à vous dire aujourd'hui. Hier, on a donc été chez Action. J'y allais pour un truc à la base. Enfin, fallait 2-3 trucs, hein, mais un truc principalement que je voulais absolument trouver. 2 trucs que je voulais absolument trouver. Et c'est les 2 autres trucs que j'ai pas trouvé, mais j'en avais pour 70 balles, quoi. Voilà. Magnifique Action, merci. Donc, je vais vous tourner ça juste après, mais il faut que je recharge un peu ma batterie. Donc, je vais aller fumer une clope et me boire un petit café, faire pipi comme d'hab. Mais surtout me boire un café en attendant que ça recharge un peu. Je vais peut-être bah non, attaquer le montage du hall. Si je ne l'ai pas tourné, ça va être compliqué. Oh là, je me suis levée. Enfin, je me suis levée pour l'école. Pour Georges. Hein. Je vais d'abord aller me changer parce que je crève de chaud. Alors ouais, ça arrive. J'ai chaud. Incroyable, mais vrai. Voilà. Je peux peut-être remettre mes binocles aussi, on est entre nous maintenant. Voilà, voilà, qui sont toujours dégueulasses, hein, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je vais aller donner un coup dessus, je vais filmer avec mes lunettes juste après. Bon, écoutez, je crois que je vais pas vous reprendre aujourd'hui. Sauf si, comme d'hab, le facteur m'apporte un truc AliExpress, mais ça n'arrive pas. Et c'est bizarre, hein. Ma coque de téléphone, Queen. Oh, en parlant de Queen, attendez, je finis d'abord ce que je disais avant. Non, mais mes carreaux sont vraiment dégueulasses. Ma coque Queen est arrivée en Belgique depuis le 25 du mois passé. Et elle n'est toujours pas livrée. Donc, soit ils m'ont perdu, ce qui est probable, hein, soit ils attendent que le 1er janvier, le 1er juillet, que la taxe elle passe. Je pense qu'il y a beaucoup de colis qui vont se retrouver bloqués aux douanes, de colis étrangers. Oh, j'ai un cheveu. Il vient d'où, toi? Tu viens d'où, toi? Oh, coincé dans mes lunettes. Mais enfin. Mais enfin. Donc voilà, s'ils me font ça, je leur casse la gueule, moi je dis. Ouh, je vais aller me changer, j'ai chaud. Putain, je suis en nage. Bon allez, de toute façon, si le facteur il passe, qu'il m'amène quelque chose d'intéressant, je vous montre. S'il se passe quelque chose, je vous le dis. Sinon, suite du jour, de toute façon, j'aurai rien de très intéressant à dire. Hein. Après, ça sera la sieste. Hein. Voilà. Et je vous mets le haut, l'action, barre d'infos, puisque je vais le tourner une fois que ma batterie sera un petit peu rechargée. Voilà. Il est 8h16 et il est très tôt. Voilà, bah, de toute façon, je me relève super tôt. Je bois mon café dans ma superbe nouvelle tasse. D'ailleurs, vous avez remarqué, ça fait un E comme Enzo et un S à l'envers comme Sam. Voilà, comme mon tatouage ici. Voilà. Bref. Et au passage, il garde bien le chaud. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, qui, comme moi, se font des litres et des litres de café, mais qui ne les consomment pas très vite. Donc là, je vais juste nettoyer mon visage. On va tester le... On va crash tester ça ensemble. Voilà.
Attendez, je chope un coton et mon eau de rose. Hier soir, j'ai même pas fait mes soins, quoi. Tellement... Mais j'ai bloqué hier sur la nouvelle série Netflix, là. Suite tous. Ouais, un truc comme ça, là, avec les petits-enfants hybrides, là. Donc, j'ai bloqué là-dessus jusqu'à minuit. J'ai même pas fait mes soins hier. Pff, rien à foutre, la fille. Bon, après, je me suis quand même épilé mes chenilles, hein. Donc, là, j'attends des J. Enfin, d'abord, je vais appeler un peu Amy, 5-10 minutes. On pourra pas rester, comme d'habitude, presque une heure, parce que, comme il y a des J qui vient, j'aurai pas le temps de nettoyer. Je suis pas en forme. Ça fait 3-4 jours que je suis pas bien. 3 jours. En fait, alors attention, moment super glamour. J'ai été aux toilettes il y a 3 jours. Ça faisait 3 jours que j'avais pas été, mais ça, c'est la base. Hein. Donc, j'ai été faire caca. Et depuis, j'ai mal à l'intestin. Quelque chose de faramineux. Dès que je bouge, c'est comme si j'avais un bleu dans l'intestin, en fait. Ça me fait super mal dans le ventre. Donc, je sais pas c'est quoi. Voilà. Ah oui, j'ai refait mes ongles hier soir. Donc, je vous montre. Je l'avais déjà mis, celui-là. Hein. Le Néon Flamingo, là, des rides hybrides, là, de chez Weibo. Donc, ça vient de chez Maki Beauty. Et j'ai essayé de faire un semi-dégradé de paillettes avec le Eevee Glitter Holo de chez Ongle 24. Qui est celui-ci, que j'avais reçu de la part de Manon. Voilà, et voilà ce que ça donne. En fait, je viens de remarquer que j'avais beaucoup de couleurs automnales, mais très peu de couleurs pour le printemps et tout. Donc, bah, écoutez, on va tester ça. Donc, c'est un gommage aux enzymes à l'ananas de chez Revotion, hein, que j'ai eu dans le swap. Donc, de toute façon, le swap, vous l'avez en barre d'infos. Donc, c'est un glow gommage peel. Papaya enzyme et naturel extract. Pourquoi j'essaye de lire alors que j'ai pas mes lunettes? C'est un truc de fou. Donc moi j'avais testé le Wishful en échantillon, que j'avais bien aimé. Il est scellé ou quoi? Attendez, je crois qu'il est scellé. Il est scellé. J'avais bien aimé l'effet gommage sans petits grains. Parce que tout le monde, quand le Wishful est sorti, tout le monde disait « Ah, mais ça, c'est la peau qu'on voit les trucs blancs. » Mais non, c'est le gommage, justement. C'est les enzymes quoi qui font le fait que ça gomme la peau. C'est pas la peau qui part comme ça. J'hallucinais quand j'écoutais « Oh, ça sent bon, l'ananas. » Bon, après, c'est logique, c'est l'ananas, mais ça sent bon. Donc, écoute, on va tester ça. Je vois absolument rien de ce que je fais, hein. Oh bah il y a vraiment exactement le même effet que le Wishful quand on gomme. Enfin gomme. Quand on masse. Donc j'insiste bien. Là où j'ai un peu plus de pores apparents et tout ça. Alors, vous êtes quand même incroyable. On sait rien dire sur mes vidéos. Donc. Pour celles qui ont réagi, qui m'ont envoyé des messages privés à propos de Marion Caméléon, que j'ai dit dans le swap que je ne regardais plus, que j'avais pas regardé de l'année, j'ai totalement décroché en fait. Je trouve que depuis qu'elle est passée en agence, son contenu a totalement changé, sa personnalité a totalement changé, ses partenariats sur partenariats pour des trucs qu'elle a jamais mentionnés avant. Elle est blasée de recevoir des produits, mais elle ne demande pas de plus en recevoir. Enfin, voilà quoi. Elle est blasée dès qu'elle reçoit un commentaire, même si ce n'est pas forcément négatif. Elle se plaint pendant 24 heures dès qu'il y a quelque chose qui la contrarie. Donc, bah, j'ai totalement décroché en fait. Bah, je dois vous avouer que je ne regarde plus personne à part Indy. Donc là, j'ai essuyé avec un chiffon. Ils disent de rincer à l'eau chaude, hein, mais là, j'ai essuyé avec un chiffon. Parce que si vous massez bien, il reste presque plus de grains après. Enfin, de grains. Je sais pas comment on appelle ça du coup. Les enzymes là, ça fait comme des petits. Je sais pas, comme une petite pâte. Voilà. Bah écoutez, il est super agréable à utiliser. J'aime autant ça qu'avec les grains. Bon, après pour le glow, oh quoique, oui, regardez ici. Après, avec ma lumière de malade, vous voyez bien mes cernes hein, sans mes lunettes. Hein. Voilà, vous allez aussi regarder. Ouais, donc je vous conseille plus de le faire le matin pour vraiment avoir un effet bonne mine. De toute façon, vous voyez, ça prend pas énormément de temps.
un effet bonne mine avant de vous maquiller. Après, il ne faut pas le faire tous les jours non plus. Hein. Bref, donc voilà, oui, j'ai totalement décroché. Même Salomé, hein, ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé une de ses vidéos. Après, elle fait beaucoup de vlogs et je regarde pas les vlogs. J'aime pas les vlogs. J'aime bien les faire, mais j'aime pas les regarder. Voilà pour ça. Alors, attendez, je chope. En fait, je vais faire mes soins avec vous. Hein, on discute. Donc là, je vais mettre ma lotion de chez Action, que j'aime toujours autant. Je vais mettre un petit coup avec ça. Je m'en fous à chaque fois partout. Le bidon est trop gros, il rentre pas dans mon panier, c'est chiant. Camion. Donc là, il me reste plus qu'une vidéo à tourner pour la semaine prochaine, celle de vendredi. J'ai toutes les vidéos de la semaine prochaine qui sont déjà prêtes. Voilà. Elles attendent les jours de publication. Aujourd'hui, pour vous, il y a le concours qui se lance. Donc j'espère que le lot vous plaira. Comme je dis à chaque fois, j'aurais aimé faire beaucoup plus, mais bon. J'ai pas forcément les moyens. Surtout que là, j'ai des commandes prévues dès que j'ai mes sous, mais c'est pas pour tout de suite mes sous. Donc voilà. Je vous dirai après ce que je vais commander, enfin dans un autre vlog. Parce que je peux pas vous spoil certaines choses. Voilà. J'ai mes parfums Nox qui arrivent aujourd'hui. Donc je pourrais pas vous les inclure dans cette partie du vlog de cette semaine, puisque il faut que les garçons soient là pour tester. Enzo part ce soir, il va dormir chez un copain. Sam est à l'école. Donc lui rentre qu'à 5h. À 5h, je ne vlog pas quand il vient de rentrer puisqu'il rentre avec mon homme. Donc c'est un peu chiant. Mais alors, je vais pas mettre. Normalement, je mets ça. Mais comme je vais pas me maquiller aujourd'hui, je vais pas le mettre. C'est le sérum pour les yeux de chez Revuel, la Expert Plus. Oh, je l'adore ce produit. J'adore. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis bien contente. Donc je vais mettre mon sérum, qui pour l'instant c'est celui-ci, le Natura Siberica, à la vitamine C. Il veut pas focusser, hein. Mais alors c'est pas que celui-là qu'il y a dedans, il y a trois sérums différents. J'ai mis le Revuel, là, que je trouvais qu'il sentait trop fort, qui est... le Natura Siberica, c'est à la vitamine C. J'ai mis donc le liftant de chez Revuel, que je trouvais que l'odeur était beaucoup trop forte. Donc je l'ai mélangé à celui-ci et j'ai mis aussi un reste du glow de chez Action. D'ailleurs, Holo Glow là, que j'aime beaucoup, qui est hydratant. Donc comme ça, voilà, c'est un sérum magique qui fait tout. Il lift, il illumine, il hydrate. C'est magique. J'ai l'impression d'avoir un nez de cochon là d'ici. Ça fait super bizarre avec les ombres. D'ici, on dirait que j'ai un nez de cochon. Oh là là, je suis mal réveillée, moi, mal réveillée. En même temps, j'ai eu du mal à m'endormir à cause de mon foutu chat qui est venu squatter dans mon lit. Et du coup, il s'est carrément mis... j'avais une ceinture, quoi. Il dormait à cheval sur moi. Je sais pas comment il peut dormir comme ça. Donc, OK pour le sérum. Je vais vous donner le planning des vidéos aussi. Je fais mon contour des yeux, toujours de chez Revuel. Pour l'instant, j'ai presque une routine complète de chez Revuel. Il est presque fini, celui-ci. Alors, dans mon haul Action aussi, qui est sorti pour moi hier, je disais que je prenais des cahiers à anneaux à chaque fois pour pouvoir remettre mes intercalaires. Et on m'a demandé une nouvelle rivante, d'ailleurs. Donc, bienvenue et merci pour ton abonnement. M'a demandé où je trouvais les intercalaires. Alors tout simplement, j'ai les mêmes depuis, je crois que ça fait 5 ans. Je réutilise ceux d'un ancien agenda de chez Action d'ailleurs. Et c'est pour ça que je prends un anneau. C'est pour pouvoir incorporer. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai commencé à recopier dans mon cahier. Et vous voyez, ça, les intercalaires là. Parce que je les trouve trop beaux, hein. Mais ça fait un bout de temps que je les ai, quoi. Donc je les réincorpore à chaque fois. Il suffit d'éclipser dans les bons anneaux. Après, ils n'ont pas toujours la bonne taille. Mais si par exemple, j'avais celui-là juste avant, il y a déjà des intercalaires dedans. Est-ce que vous pouvez les... Oui, vous pouvez les récupérer, puisque moi, je les déplace des fois. Donc vous l'enlevez et vous le remettez dans un autre cahier. Voilà, tout simplement.
Donc voilà la petite astuce du jour de mamie. C'est ce que je fais avec mes intercalaires. Alors je vais finir avec ma crème toujours de chez Revel, hein, de la même gamme que le contour des yeux. Donc là j'attends DJ. Alors comme j'ai dit, j'aurai pas le temps de nettoyer. Bon, j'ai passé un petit coup de balai rapido là. Je vous dis, je suis pas bien. Dès que je me baisse, j'ai mal au ventre. Alors c'est un peu compliqué. Là, j'ai hâte de lui donner son cadeau. Je sais pas du tout si je vais vlogger tant qu'elle est là, hein, comme d'hab, vous savez. Et puis comme ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Là, on va un peu profiter de se voir avant toute chose. Parce que ça fait des mois qu'on s'est pas vu. Entre son boulot, ses courriers, et après elle a été malade, elle a eu le Covid, après nous on était en quarantaine, enfin en isolement. C'est un peu. Et je vois que j'ai toujours pas refait mes ventes Vinted. Donc il faudrait peut-être que je les fasse. Alors oui, pour Vinted, le rangement en haut, Monica Chou, je suis désolée, hein, j'aurai pas de temps cette semaine. Je suis vraiment débordée. Enfin, je suis débordée sans être débordée. Je sais pas comment vous expliquer. En plus avec les une vidéo par jour, et c'est du boulot. Mais j'arrête pas, je suis tout en route quand j'arrive un peu à me poser. Enfin, après, je zappe pas mes six pots autant, hein, ça c'est hors de question. Mais quand j'arrive un peu à me poser, j'en profite quoi, d'être posée. Alors, bah, j'ai fini mes soins, je peux remettre mes binocles. Pour le planning vidéo de la semaine prochaine, donc lundi et mardi, c'est les crash tests des swaps. Mercredi c'est la rotation puisque forcément j'ai inclus des produits du swap. Jeudi c'est le swatch and make-up de la palette Avocado, donc que j'ai eu dans le swap. Vendredi le bilan du Big Project Pan de l'année des 6 mois. Voilà, je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo, vous aimez savoir où j'en suis avec mes produits. Samedi on a le live, dimanche donc le weekly vlog. Alors le live, ça sera l'idée de Enzo de la dernière fois. J'espère qu'il sera là, du coup, lui. On fera... Vous devez nous faire deviner en 3 mots un personnage Disney. Voilà, c'était son idée et j'ai trouvé l'idée super intéressante. Et voilà, ça c'est pour le planning de la semaine prochaine. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non. Demain, je vais faire mon vaccin. C'est demain? Oui, c'est demain. Je vais faire mon vaccin, ma deuxième dose. Donc je sais qu'il y a y en a qui m'ont dit que la deuxième dose était plus violente. Le directeur de mon homme, lui, il a eu une réaction violente à la première dose, mais à la deuxième, il n'a rien eu. Donc ça dépend peut-être des gens. Maintenant, comme j'ai pas eu du tout de réaction à la première, j'espère. Parce que dimanche, on doit aller manger chez mes beaux-parents un barbecue. Quel temps il prévoit d'ailleurs, parce qu'il prévoit un barbecue, mais 23 degrés, ça va. Ça va, c'est une belle température pour mamie. Par contre, faut pas que je prenne le soleil. Donc à chaque fois que je suis chez mes beaux-parents, je suis le tournesol. Enfin, je fais le tournesol, je suis le parasol en fait, pour rester à l'ombre. Voilà, sinon, bah écoutez, j'avais rien d'autre à vous dire. Si, juste pour les parfums Nox, parce que comme je ne sais pas, ça sera dans la partie de dimanche prochain que les garçons sentiront du coup leur parfum, que j'ai choisi moi. Donc il y a le truc de la fête des pères, hein, jusqu'au 15 juin, donc 20% sur les parfums hommes. Et vous avez le truc avec le collier, donc je vous remets une photo du collier maintenant. Je sais pas à partir de quand ça commence, c'est jusqu'à rupture des stocks, mais ils disent pas à partir de quand ça commence. Donc je vous le partage au cas où, donc c'est dès 70€ d'achat, vous recevez le petit collier, là, la vie est belle, il est trop beau. Moi je vais l'avoir dans mon colis, hein, normalement, ils ont dit qu'ils me le mettraient avec. Donc voilà. Mais d'ailleurs j'ai reçu mon paiement parce qu'il y en a qui me disaient que c'était de l'arnaque et tout ça, que j'aurais pas mon paiement. Si si, j'ai bien eu 72€. Merci les gens. J'ai bien eu mes sous de Nox. Voilà, voilà. Et après c'est comme je vous ai dit, hein, je vais pas recevoir des parfums tous les mois, hein, c'est hors de question. L'autre, il a déjà diminué parce que j'en mets un petit peu tous les jours, mais il manque ça dans la bouteille, quoi. Donc je vais pas avoir 50 000 bouteilles, je mets pas du parfum tout le temps, je me reparfume pas, rien, donc c'est comme le rouge à lèvres, moi. Donc ça descend pas très vite chez moi, alors recevoir tous les mois du parfum de 50 ml, non, c'est pas... Ça m'intéresse pas du tout.
Donc voilà, puis j'ai pas envie de vous bassiner avec ça non plus, juste parce que ça me rapporte des sous, quoi. Je vais pas commencer à vous en parler non-stop. Tu fais une drôle de tête, Chico. Il y a ta copine DJ qui va venir aujourd'hui. Il y a Tata DJ qui va venir. T'es contente, hein? Bah oui, ça fait longtemps que tu n'as pas vu Tata DJ. Hein. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour les gens. Dis bonjour les gens. Dis bonjour les gens. Dis bonjour les gens. Regarde maman. Donc voilà, mais pas lécher. Oh, des choses folles. Oui, voilà, les petits bruits de cochon. Vous voyez que c'est pas moi, hein, quand je vous dis que c'est pas moi. Bref, bah écoutez, je crois que je vais clôturer ce vlog ici. Tu te fais masser le bidou? Oh, ma dame avait envie de se faire masser le bidou, bah dis donc. Voilà. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour cette semaine. Donc demain, vaccin, dimanche, barbecue chez mes beaux-parents. Si ça va, parce que si ça va pas, j'irai pas. Tout simplement, hein, parce que si je fais une poussée de fièvre ou quoi, pas oublier. Arrête! Pas oublier qu'ils injectent le virus quand même, donc comme il y aura le petit et tout, j'ai pas envie de. Si jamais, quoi. Moi, j'ai la peau toute douce avec le gommage. J'aime bien. Et j'ai l'impression d'avoir des taches sur ma tronche à cause des ombres. Vous voyez? À cause de ma lunette, là, et ici, à cause de ma babine. Regardez comme ça fait. Faut l'éviter. Faut l'éviter. J'essaye de trouver le roll-on là où je suis action, parce que c'est juste pour masser un peu, justement, surtout cette partie-ci et ici. Puisque bon, j'ai la peau qui est plus très élastique avec mon perte de poids et l'âge. Donc même que j'utilise des produits, justement, liftants, je vois pas trop de différence avec mes babines. Hein. Après, c'est parce que je fais souvent ça aussi. Hein. C'est pas bien. Voilà. Regardez, c'est comment ça creuse. J'ai des fosses partout. Voilà. Bref. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. De toute façon, on se retrouve pendant 15 jours tous les jours à 18h, sauf 20h pour le live, qui est donc samedi prochain. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Bah, c'est encore. À chaque fois, je dis je vais les faire assez courts, mais à chaque fois, ils sont longs. Donc je ne dis plus rien. Et voilà. Donc, eh ben, en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous.